Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chez nous, ils ont beaucoup annoncé beaucoup de vent, donc ça n'a pas été possible de sortir le bateau pour l'ouverture malheureusement. Du coup, on est parti sur une petite rivière que j'aime bien, essayer de faire quelques brochets, donc j'espère que ça va donner. Hein? Moi je regarde et même mouillé, tu fais ce que tu veux. Un t-shirt, comment stocker moi. Poisson. Je vais en sortir, t'inquiète, je vais faire. Il est pas très gros. Tu vois, elle était juste devant là. C'est bon ça. Laisse faire. Dans la pêche. Putain, ils sont. Dans la pêche. Ils sont très très musclés. Il est pas gros. Voilà. Voilà. Oh, c'est marqué de la freine. Ouais. Petite marque de la freine sur le ventre. Bon, il est bien en forme quand même. Un brochet maillé qui doit faire 60-65. Putain, mais c'est. Waouh, fais voir. Tu veux que je te le décroche, j'ai une pince. Elle est magnifique hein. C'est pratique quand même une petite pince. Ok. Nickel. Oh! Oh! Méga cendre! Alors là, si j'avais su, je l'ai vu suivre. Il est gros, hein. Il a à peine piqué. Wouah! Celui-là, il est gaillard. Celui-là, il est gaillard. Plus, plus. Au bifreeze, quoi. C'est la première fois que je fais un cendre jerk. J'en ai déjà fait sur des cranks ou des trucs comme ça. Au bifreeze, c'est la première fois. C'est compliqué là-dedans. Il y a des profondeurs ou pas là? Un peu, ouais. Putain, mais c'est. Il est du suivre. Il est gaillard. T'avais déjà vu des gros cendres comme ça en vrai? C'est fou parce qu'il n'y a pas d'eau quand même. C'est des gros dalles. Tu l'as toujours? Non. Perdu. T'es deg? Non, je préfère pas me piquer le doigt avec le leurre. C'est pas grave. Allez. Ah, c'était un peu. C'est pas grave, on a vu, il était gaillard. Il y avait pas de. C'est pas vraiment facile en plus. Aïe. Putain, il était énorme. Il faisait quoi, 80? Ouais, il faisait, ouais. Pas loin de 80, s'il les faisait pas. Surtout fou de l'avoir pris avec un bifreeze comme ça, quoi. Je pensais pas qu'il y avait un gros cendre qui choquait quand même. Moi non plus, je t'avoue. Allez. Oh, y'en a un. T'en as un? Tu t'avais pas rendu compte? Vas-y. Il est
pas gros, mais t'en as un. Et maillé. Et t'es quand même une truffe. Hein. Ouais. Non, j'ai pas fumé, hein. C'est pas grave, je l'ai moi. Ah bah je vais pouvoir. J'ai vu un poisson, je croyais qu'il te suivait, mais en fait tu l'avais accroché. Putain, moi j'ai cru que c'était le sol. Quelle truffe ce mec. Non, mais il bougeait pas du tout. Il était mort. Alors, ce premier brochet, content? Quelle truffe. Ticket. Allez, on reste qu'une barre, je vais essayer de faire un poisson vite fait. Moi, il me... Qu'on ait au moins une belle vidéo, quoi. Ouais, mais toi, il t'allume pas pour rien, hein. Ah. Poisson. Sur le spinner. T'as la touche ? Ouais, il est pas mal. Tu veux les flèches ? Je vais le faire. Il est pas mal. Là, c'est le seul. Il est gaillard. Allez. Celui-là est joli. Un petit... Ça avait fait 80. Et quelques marques de la frais encore. Massif. Donc le spinner ça a l'air de marcher, donc je vais monter un spinner encore plus gros pour voir si j'arrive à faire bouger un plus gros poisson encore. C'est un Monster Vibe de chez Westin, c'est vraiment un très 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 gros spinner. On va tester ça, quelques lancers. Ah, décroché. Il m'a tapé dans les pieds. Il était pas très très gros, je pense qu'il a pas réussi à l'engammer assez. Il est derrière. Oh, loupé. Deux fois qu'il vient me taper dans les pieds. Il arrive pas à l'engammer, il est un peu trop gros. Ah, c'est dommage. Mon brochet qui devait faire 65. 70 au maximum. Comme l'eau est un peu trouble aujourd'hui, ils viennent vraiment attaquer jusque dans les pieds. Ils ont vraiment pas peur. C'est un avantage. Faut pas qu'elle soit trop marron, mais quand elle est un tout petit peu teintée comme ça, c'est pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, j'espère. Parce que c'était vraiment joli à voir.
J'en ai loupé un. J'en ai loupé un deux fois dans mes pieds. Je loupe, je relance, il me reçoit, paf, devant la caméra. Il a pas réussi à l'engamer. Mais balance-y toi, il est dans le coin là. Oh my god! Rocher! Non. Si! Non, très gros! Je sais pas. Je vois plus. Merde. 80? Non, non. Tu vas où au barrage? Au niveau des pierres là? Ouais. Moi non plus, je t'avoue, à part cette fois-là. Poisson. C'est joli. C'est pas énorme, mais c'est joli. T'as ta cam? Merde, y'a la trou. Voilà. Ah! Lâche le fil. Ouais. À peu près, j'irai. 70 pour pas mal. Oui, c'est oh là, le dernier. Qu'est-ce que tu fais avec une truite accrochée hein? Mais je t'ai dit, elle est accrochée, je sais pas comment elle se foutue. Headbanger, putain, il m'a toujours sauvé celui-là. Il m'a toujours sauvé. Ça fait un moment qu'on n'avait pas pris de touche. Il fiche. Headbanger. Et voilà, c'est réglé. Encore un joli brochet de 80. Ouais, banger chat cette fois. Ça fait bien longtemps que c'était calmé, là je suis content que ça revienne. Ils sont en pleine forme. Ils sont magnifiques ces brochets. Petite trace de la figure. Magnifique. Ouais. Tout de suite il part, hein. Il est taqué. T'es content? À moi de le faire. J'en suis sûr, là tu le repêches. Hein. C'était ta canne? Il m'a fallu quoi, 2 minutes? Oui. T'es deg? Oui. Alors ça va. Si vous avez de la pitié pour ce jeune homme et ses waders, abonnez-vous et laissez un pouce bleu.